C'est suite aux propos tenus par M. le préfet dans la sous-préfecture de Forikaria-Balimana le 30 octobre dernier que nous avons engagé des poursuites contre lui parce qu'il a tenu des propos qu'un responsable d'une préfecture ne doit pas tenir. Et vous avez suivi les débats, il a reconnu effectivement avoir parlé des propos à caractère ethnique. L'exemple qu'il a eu à prendre au cours de cette rencontre, nous lui avons fait savoir que ce n'était pas un exemple qui était approprié. Compte tenu des circonstances dans lesquelles il s'est rendu à Forikaria-Balimana et compte tenu de la tension qui régnait en ce moment au moment de ces faits. Alors, puisque ces propos sont réprimés par la loi, il était de notre devoir de l'interpeller, de le juger publiquement. Et c'est ce que vous avez assisté ce matin. Et au cours des débats, comme je l'ai dit, il a reconnu effectivement avoir tenu ses propos. Alors, les débats ont pris fin. Le tribunal nous a donné la parole pour nos réquisitions. Le ministère public a requis contre lui 2 ans sortis de sursis. Et le président a mis le tribunal à échever le dossier en délibéré pour décision être rendue la semaine prochaine.